Méditation du 23 septembre, une enseignante inoubliable. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquiras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Proverbe 3, les versets 3 et 4. Alberto et Santiago étaient les pires élèves de la classe. Rien ne semblait les motiver à faire des efforts en classe. Les deux garçons étaient habitués à ce qu'on les traite comme les plus incapables du lycée. Ils étaient la risée de leurs camarades et des professeurs. Mais un jour, une nouvelle enseignante est arrivée dans l'établissement. Quand elle a vu la situation d'Alberto et de Santiago, elle s'est dit que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Mais aucune des méthodes qu'elle utilisait ne semblait fonctionner sur ces garçons. Ils avaient toujours de mauvaises notes, une attitude différente et une estime de soi très basse. Un jour, elle a organisé une activité d'expression artistique. À la surprise générale, le projet a captivé et passionné Alberto et Santiago. Le jour de la présentation, ils sont arrivés déguisés et ont offert un spectacle extraordinaire. Toute l'école a été frappée par leur investissement. Ce jour-là, ils ont été largement acclamés par leurs camarades. Ils se sont finalement rendus compte qu'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire très bien. L'enseignante était très émue de leur progrès. Elle avait saisi l'occasion qui s'était présentée. À partir de ce jour-là, elle a commencé à construire son cours à partir des dons artistiques manifestés par ces garçons. Ils ont fait des progrès considérables. Cette enseignante avait changé leur vie. Il est parfois facile de condamner un jeune parce qu'il n'apprend pas au même rythme que ses camarades ou parce qu'il n'assimile rien de ce que l'on essaie de lui imposer. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'apprendre. Les enseignants doivent se rappeler qu'ils ont entre les mains les futurs dirigeants de leur pays, les artistes qui ouvriront des espaces d'expression d'opinion, les scientifiques qui développeront de nouvelles technologies, les entrepreneurs qui monteront de nouvelles sociétés, les architectes qui se chargeront de l'infrastructure de leur pays. Où allez-vous les conduire? Les professeurs qui marquent la vie des élèves sont ceux qui peuvent voir les talents des élèves dotés d'une très faible estime de soi et généralement dépréciés par les autres. Ce sont ces enseignants qui peuvent ouvrir l'horizon de ces élèves qui se sentent vaincus au meilleur moment de leur vie. Aujourd'hui, demande au Seigneur de créer dans ton cœur de la place pour la compassion envers les autres. On se souviendra toujours de ton aide. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.